Ok. Que c'est ça? Est-ce qu'il y a un truc qu'on a laissé de côté? Je crois qu'on a tout fait hein, dans ce qu'on avait de... Oups, hein. Sikkim Shokutia. Toujours le même mec? Ah bah nous revoilà là. Il m'a fait peur à apparaître comme ça. I see you found the book. Thank you for returning it to me. Tiens, book. Tu vas me buter? I don't know where you got the brilliant idea to trap yourself, but I must tell you that I am quite disappointed that it is you and not Atrus who must now pay the price for this foolishness. Ah bah c'est une des fins. C'est écrit complet, Trivonne. Here we go. Oui, attendez. Je viens de remarquer un truc chelou. Mais... C'est Raph. Tu sais que t'es marqué comme raider sur mon chat. Tu es polyvalent. Je t'en mode, mais... Pourquoi c'est Raph, il est marqué en raider? Très bien. J'avoue qu'on se fait souvent piquer, hein. Faut pas qu'on soit sensible. Hein. On va essayer de voir si on peut sauver Catherine. J'imagine que c'est ça l'autre fin. Est-ce qu'on peut. Il y a autre chose qu'on peut faire. Est-ce que le bouquin là que j'ai, on peut le mettre à la place de la machine? Je sais pas. Moi j'ai cru que t'avais un homonyme du coup, Sarah. C'est surtout ça. C'est marrant, ils disent merci à leur maman et leur papa. Il y en a, il s'est chauffé, il a écrit je sais pas comment là. Tu es hyper jeune hein, pour remercier ta maman et ton papa dans un projet comme ça. Y a pas de mal, hein, mais. Si je fais continuer, ça fait quoi? J'aurais pas dû. What? Ok, oh ça fait une save là. C'est bien, non? Je vais en refaire une. Ah, juste avant que j'utilise le bouquin, ça va.
Du coup, allons à l'âge de prison. Bah, deux choses que je veux faire. Donc d'abord, on va retourner au monde original. Je veux voir ce qu'il y a dans la zone où il y avait le livre qu'on a déjà utilisé pour aller à l'âge créé par l'autre. 233, semble-t-il. Bah on a fini du coup. Enfin quasiment quoi. Je suis en train de me dire, il va peut-être falloir un autre épisode. J'étais vraiment en train de me dire ça. On l'aura fait en 3 épisodes. Comme anticipé. Parce que normalement c'était 9h30. Bon, 10-14h pour tout faire. On va avoir besoin de 14h. Pour l'autre fin, peut-être, on va voir. Moi, ça m'arrangerait. Hein. Plus de raisons. Je dis oui. Ah, bien sûr, elle donne après là. En vrai. Je vois. Myst 3 me tenterait aussi. Le problème, c'est que si je fais Myst 3, ça ira pas avec le planning de Rodif. Je laisse un peu de temps, je pense. Notre run d'explo sur Elden, ça peut être cool. Hein. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise lui là maintenant? À nouveau. Voilà. Well done. I was greatly relieved when I received word that you had recovered the book. I don't quite know how you managed it, but if I may. Thank you. C'est une autre version, quoi. Pas surtout. Il est en temps réel.
lis les 22 pages. C'est ça. Ça va? Perhaps it would be best if you went through first. Ah, mais ça fait encore une option. You may need some time to decide. That is reasonable. Please understand, there is nothing I want more than a chance to resolve matters between Atris and myself. Especially in light of what has become of Catherine. But unless you are willing to demonstrate to me that your intentions are honorable, I cannot risk it. The sanctuary I've been writing for the Islanders is nearly complete. After all these years, it would be a shame if I were unable to finish it. The work I am doing is quite demanding. Please don't signal me unless you've decided to use the book. C'est marrant, c'est que cette zone ressemble à la dernière zone d'obduction. C'est quoi ça? C'est Riven ça? D'ailleurs, par Riven. D'ailleurs, un monde où on arrive à venir ici sans qu'il nous attaque. Hein. Enfin, qu'il nous attaque, vous avez compris. Du coup, c'était encore autre chose, ça. Et là, on est relâ, ok. Le seul truc qui me saoule, c'est qu'il faut refaire le trajet. C'est fort long. Mais allons-y. Je vais y retourner par le même bouquin. Et ma foi. J'ai pas envie de faire les rotations. Ça ira plus vite. Parce que sinon ça fera la rotation de la pièce à 5 côtés là. Je vais faire wagonner into véhicule. On se fait une run véhicule. C'est parti. Mais c'est sympa de laisser les pour barrer à proximité. Ouais, je crois que c'est voulu, hein. Vu le personnage. J'ai envie d'utiliser le bouquin, de lui dire ouais, c'est bon, je suis prête. Vas-y. J'aurais le succès pendant que le tonneau arrive là. Le tonneau, le wagon. Peut-être si j'aurais arrêté après Riven quand même. Alors, le succès. Voilà, j'étais sur Myst 3 là. Tac. Je reviens au bon endroit. Riven. Si. Ça rame. 21 sur 34 succès. Oh, il manque des trucs qui ont quand même pas mal de complétion. Ok, on va voir ça après. Allez, vamos! Exact. Ooh.
Ça me donne tellement envie de rejoindre Obduction. Mais je sais qu'Obduction était tordue. Après, je me lire aujourd'hui, quoi. Il faut voir. Je l'avais compris en plus, Obduction, donc ça va. Ok. Alors. Donc je vais réutiliser le livre. Parce qu'on lâche rien. Ouais, c'était grave cool. C'est vrai que c'était d'échanger une zone avec une autre zone d'obduction. Quelque chose, mais vraiment la zone de fin, par contre, la zone un peu déserte en mode c'est la fin du monde, et ben elle était comme comme le monde 233, c'est qui est marrant. Faut que je fasse 3-4 et ça me permettra de me rendre compte. Vu que je les ai pas fait 5, j'ai un doute. Bah ouais, je me dis, tu vois. Je fais plein de sauvegardes hein, comme ça. On se fait pas arnaque. On est raisonnable. Vous saviez comme c'est satisfaisant d'avoir fini tous mes projets là du mois de juin. Oh là là, j'ai plus qu'à jouer. J'ai fait tellement de tutos là pour Final Shape, c'était intense. Encore lundi j'en ai fait. Ah, ça fait du bien. Ça fait un mois que je faisais que ça là, depuis que je suis partie aux États-Unis. Stop. Dire, mais qu'est-ce qu'il y a fou? C'est encore moi! Au fait! C'est là que ça va servir à rien. Il n'existe pas de fin où on revient. Je pense que si, quand même. Ah! Re! I'm relieved you've returned. I thought perhaps you had decided against it. C'est un peu stylé que ça s'adapte. Here. I shall follow you directly. Allez. Déjà dans Myst, il y a plusieurs fins. Il est très suspicieux. Thank you.
Oui! Let's go, il nous a follow. Ah, oh, ça l'échange avec moi, mais oui! OMG! Bou le nul! Bou bou bou! Alors, comme ça, on est nul? Oh là là, la récompense. Un peu quand même. On l'a kéblo. Ça c'est pas mal quand même comme image pour mon miniature. J'ai dit ma miniature, on aurait dit que j'avais dit mon. On aurait dit. Ouais ouais ouais. C'est plaisir de pouvoir interagir avec toutes ces affaires. On peut toucher à tous ces trucs. Par contre, la musique est un peu fort, hein. Mais bon, tranquille. C'est un peu ouf. Un peu méga ouf. On n'est pas allé à l'échelle. Je pense qu'il existe une variante où on se fait emprisonner avec Catherine. Dans ce coup-là. C'est vraiment des interactions. Les plus passionnantes. Kianenatsu? Shima? Shorate? Mata neta? Tagamem san botegan shem. Fasi. Il va y avoir un livre. J'ai vu un livre. Au secours. Vous l'avez vu comme moi. Oh, lire tous les journaux. J'ai eu. Code de l'imageur. Oh, est-ce qu'il y a des codes? C'est vrai qu'on a un code aussi qu'on n'a pas rentré encore. By the way. Déjà, je vais scanner ça. On va déborder du timing, là. Je le sens, mais bon. Allez. C'est parti. J'entame ce journal avec une nouvelle étonnante. Catherine est revenue dans le cinquième âge, et bien que ça m'énerve de l'admettre, elle a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Les rebelles me l'ont enlevée. D'après mon garde, elle s'est reliée directement dans la cage du plateau de la crevasse, comme je l'avais deviné, lorsque tout d'un coup, il s'est fait attaquer par une bande de rebelles qui lui ont tiré une fléchette dessus avant d'emmener Catherine. À mon avis, la vérité, c'est qu'il était tellement interloqué de voir quelqu'un apparaître après tout ce temps qu'il a été une cible facile pour n'importe quel rebelle qui était dans les parages. Quelle malchance! Il a tout de même eu le temps de bien la regarder pour s'assurer que c'était Catherine. Ce qui est drôle, c'est que c'est exactement ce qui s'est produit quand je suis arrivée aussi. Genre, il n'a pas appris de ses erreurs. Il prétend également avoir inspecté toutes ses affaires et n'avoir trouvé aucun livre de liaison sur elle. J'ai du mal à le croire, mais si c'est vrai, la question de ce retour ici est d'autant plus déroutante.
Je suis malade de frustration à l'idée d'avoir perdu la seule proie que cette cage ait attrapée. Mais je suis également plein d'espoir. Elle pourrait me donner un moyen de retourner à Dany. Certes, j'ai réussi contre toute attente à m'échapper du cinquième âge et à reprendre ma mission pour sauver ma culture de l'extinction. Mais je crains que sans accès aux vastes ressources disponibles dans les ruines de la ville, mon ambition de faire renaître cette grande civilisation soit impossible. Si Catherine a apporté un livre de liaison, cela m'aidera beaucoup. Sinon, elle est piégée dans le cinquième âge et je ne peux que supposer que mon sentimental de fils ne tardera pas à venir la secourir. Dans tous les cas, je dois la trouver au plus vite pour le bon déroulement de mes plans. Sa présence ici me force à prendre les rebelles plus au sérieux. Je n'aurais jamais dû les laisser vivre si longtemps. Encore une fois, le grand Vark s'est avéré d'une grande utilité. J'ai eu du mal à contrôler les villageois après l'arrivée de Catherine, et ce n'est que grâce à leur peur de ce monstre mythique que j'ai pu rétablir l'ordre. Si j'avais su à quel point ces prodigieuses créatures pouvaient être utiles, j'en aurais capturé davantage lorsqu'ils peuplaient encore abondamment la région. Enfin, si ces perturbations continuent, mes petits compagnons ne risqueront pas de mourir de faim. La recherche de Catherine se poursuit. Je regrette amèrement d'avoir appris que ce peuple primitif quoi que ce soit. Sur les livres. Jour après jour, j'en viens à réaliser qu'ils n'étaient pas prêts pour de telles connaissances, même en simplifiant les faits comme je leur ai présenté. Leurs esprits, adaptés uniquement aux tâches insignifiantes de la vie de village, sont incapables de comprendre cet art dans toute sa complexité et donc incapables d'en extraire les principes inhérents, qui sont paradoxalement d'une élégante simplicité. Il est évident que le désaccord entre nous s'explique en grande partie par leur incapacité à comprendre la signification des informations que je leur ai données. S'ils avaient été en mesure de glaner ne serait-ce qu'un aperçu de l'avenir glorieux que je leur réservais, ce conflit n'existerait pas. L'esprit des enfants, en revanche, est bien plus malléable. Avec une éducation appropriée, ils ont adopté une meilleure attitude vis-à-vis de la culture qui leur a donné la vie. Parfois, on dirait même qu'ils ont un peu de sang d'Annie qui leur coule dans les veines. Mais compte tenu des limitations innées de ces indigènes, je fais bien attention qu'aucun n'acquiert un niveau de compréhension qui leur permette de gâcher leur avenir comme Catherine l'a fait. Quel idiot j'étais à l'époque! De penser qu'elle pouvait utiliser un tel savoir de manière responsable alors qu'il était évident que mon propre fils en était incapable. Atrus reste l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Je n'aurais jamais dû le laisser avec ma mère. Quand je suis revenue le chercher, elle l'avait déjà retourné contre ma noble mission et dissuadée de m'aider. C'était peut-être pour elle le seul moyen d'alléger sa responsabilité dans l'effondrement de la civilisation entière. Tant de destruction et de vie perdue. Sa culpabilité devait être insupportable. Il me semblait qu'elle aimait mon père et notre monde, mais en fin de compte, c'était une étrangère dont l'ignorance des Dany engendra leur fin. Si je parviens à reconstruire notre culture et à remédier à ses faiblesses, il s'avérera peut-être que ses actes ont été nécessaires pour qu'une nouvelle ère de prospérité plus forte voie le jour. Je suis assaillie d'images du passé depuis quelques semaines. Aujourd'hui, alors que j'étais dans la salle de classe, je me suis souvenue de mon enfance, les années que j'ai passées dans la guilde des créateurs de livres. L'immense fierté de mon père à chacun de mes petits accomplissements. C'était un homme important dans le monde des Dany. Je ne peux pas supporter de penser à lui davantage, c'est trop. J'étais trop jeune pour être témoin de telle chose. Je l'ai! Tard hier soir, on m'a informé que Catherine avait été arrêtée alors qu'elle essayait de persuader des villageois de rejoindre sa cause. J'ai perdu quelques hommes dans l'opération, mais j'étais prêt à en sacrifier 100 fois plus pour une telle récompense. Elle est emprisonnée dans mon ancien bureau. J'ai essayé d'en savoir plus sur la raison de son retour. J'ai dû résister à l'envoyer à la potence, elle a adopté l'attitude la plus rageante. Quand elle décide de répondre à mes questions, elle le fait dans sa langue maternelle. Malgré tout, elle ne sait pas mentir. Je suis donc maintenant presque certain que son retour à Riven n'était pas intentionnel et qu'elle n'a pas de livre de liaison avec elle. Quant à son refus de révéler où se cachent les Moiti, nous verrons bien. Toutefois, sans leur leader, ils n'ont à nouveau aucun pouvoir contre moi. Si la venue de Catherine est en effet un accident, alors Atrus viendra la chercher, ça ne fait aucun doute. La question qui m'importe maintenant est la suivante. Comment s'y prendra-t-il? C'est probable que son hésitation est en partie due... Du moins, dû à ce dilemme. Mais dans tous les cas, il devra venir avec un livre de liaison s'il veut retourner à Dany. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est tard, je ne peux pas dormir. J'ai perdu tellement de choses dans ma vie. Mon peuple, mon père, mon fils, et toi ma femme. Keta, la seule douceur que j'ai connue. En te regardant vaciller dans l'imageur, je me demande parfois si tu as vraiment existé. Si je pourrais redonner la vie avec mon crayon. Je n'hésiterai pas et j'abandonnerai aussi le reste du monde à son misérable sort. Maudit soient ces sauvages. Je ferais mieux de tous les laisser dans le cinquième âge et de recommencer avec une feuille de papier vierge. Vierge. Oh putain. Oh le lapsus. Une personne étrangère est arrivée sur Riven, avec un livre de liaison vers Dany. Et une fois de plus, mon bon Ryan de garde s'est fait neutraliser par les rebelles. D'après ce que j'ai pu tirer de son explication embrouillée, cela se serait passé ce matin. Le mécanisme de la cage a été endommagé, mais la question n'est pas là. Tout ce dont j'ai besoin est ici maintenant. C'est certain qu'Atrus est derrière tout ça, mais pourquoi envoyer quelqu'un à sa place? Et avec un livre de liaison qui plus est? Il avait sûrement deviné que je l'attendrais. Cette imprudence ne lui ressemble pas. Pourrait-il avoir changé d'avis à mon sujet? Après toutes ces années, pourrait-il avoir enfin décidé de libérer son pauvre vieux père? Ah, je ne sais que trop bien à quel camp il appartient. Il ne veut qu'une seule chose, peut-être que cette nouvelle personne devrait la trouver. Pour l'instant, je ne compte qu'attendre et observer. Je commence à me dire que je n'aurais pas dû laisser cet individu se promener librement sur les îles. Dans son ignorance, il a essayé d'activer le pont-levis endommagé de l'île du temps. Le faisant s'écrouler complètement. C'est sans importance à ce stade, mais ça m'agace quand même.
Si je n'avais pas réussi à me libérer de cet âge qui se détériore, ça aurait gravement entravé ma progression. Mais peu importe, j'en aurais bientôt fini avec Riven pour toujours. Nouvelle déconcertante. Hier soir, un groupe de mainteneurs est tombé sur un espion rebelle solitaire. Ils sont parvenus à l'extirper des informations sur l'existence d'un dispositif invraisemblable. Une fenêtre de cristal censée pouvoir modifier mes livres de liaison. Ce serait similaire à mon propre système, mais avec un petit avantage. Ces petits ne pèsent que quelques kilos, et donc portables. Si cette information bizarre s'avère vraie, l'artefact en question doit avoir été fabriqué par Catherine avant sa capture, sans doute à partir d'un schéma d'Annie explicite qu'elle aurait apporté. Si seulement j'avais eu accès à un document de la sorte au cours de toutes ces années passées ici. Ce qui augure cette révélation me trouble beaucoup. Il y a plusieurs années, les rebelles avaient réussi à s'enfuir avec un livre de liaison qui ne fonctionnait pas, et que je comptais détruire. Le livre n'a jamais été retrouvé. Après leur avoir fait payer le prix de ce sacrilège, j'avais généreusement décidé de tourner la page. Je pensais qu'entre leurs mains ineptes, ce livre ne pourrait pas me nuire. Mais si Catherine leur a effectivement donné ce pouvoir avec ce dispositif, les rebelles pourraient bien avoir créé un lien vers un autre âge. Cela signifie également que 98 n'est plus sûr. Je ne peux pas laisser faire. Ce nœud individu est la clé de tout ceci. En traquant ses déplacements, j'ai réussi à me faire une idée de l'endroit où ce livre de liaison rebelle et le cristal se cachent. Mais avant de m'occuper de cela, je dois me procurer le livre de liaison vers Dany. Tout dépend de cela. Si je peux retrouver l'accès à mon arsenal de ressources là-bas, je serai ravie d'abandonner tout Riven à son sombre destin. Et là, les trucs machin. Oui, dit, on a tout lu. Le jeu l'a dit. On craint plus rien. La maman. Faut que je fasse une save ici au cas où on a un truc à faire ici. Il faut que l'autre ait fini de raconter sa life. Je vais attendre. Allez. Ah bah. T'en fous. Ça se mange, ça ? Particulier quand même. Pas sûr que ce soit... Oh là là, c'est les mêmes coupures que dans l'obduction. C'est une dinguerie. Oh là là. Attendez, on va l'utiliser, mais... Ça m'a passé. What? Mais il y a 3 secondes, ça marchait. Il crame de plus en plus, en fait. Attends, heureusement, j'ai fait une save. chargé. Je vais chercher compliqué, je vais prendre direct le livre. On peut pas. Ah ouais, non, il crame là en fait. Ok, c'est normal du coup. Toi, ben. Ok. All good. Bon, du coup. Allons faire le truc du code. Où est-ce que ça va me ramener? Ce sent encore le retour d'enfer là.
Comme quoi, si tu veux faire toutes les fins. Ah ouais, non, mais le fait que ça me ramène ici, ça. Pff, ça casse le rythme de fou. Hein. C'est vraiment horrible que ça me ramène ici. Là, je vais encore retourner au premier monde. Passer par les zones intermédiaires, c'est pas plus rapide. Ça doit faire toute la manip. Et là, comme ça. Ouais. Toute la manip et modifier la pièce à 5 entrées. Ça revient au même en gros. Sauf que le trajet que j'emprunte là nécessite pas de réflexion. Je pense que c'est pas mal. Mais du coup, en termes de choses qui m'auront posé difficulté, on va dire, c'était le truc avec les animaux un peu. Mais bon, on s'en est sorti. C'est ok. Je regarde les succès pendant que ça charge. Hop, je continue. Alors. Regardez. Il y a un succès, ok, le plus rare, qui consiste le truc qui polie la pierre dans le laboratoire. À le regarder pendant 15 minutes. Voilà. Pas de soucis. Avec plaisir. Regarde toutes les images de game. Ah mince, j'en ai pas. Libérer Catherine. S'enfermer soi-même dans le livre. Donc ça, il aurait fallu que je dise oui tout de suite, en fait. Je pense. Ah ouais? Acquiescer immédiatement. Oh. Énerver l'animal aussi. Oh là là, on n'a pas fait ça. Il devait falloir spammer la lumière rouge. En vrai, ça se fait. Hein. On s'occupera des succès à la fin. Après, là, je suis pas loin pour le faire éventuellement. Enfin, pas loin, pas loin. Enfin, je regarde tout parce que ça se trouve, il y en a plusieurs qui se passent au même endroit. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ça va, les passages comme ça, je les fais avec plaisir. Parce qu'ils sont stylés. Donc, ça va. C'est la fameuse dague dont elle parlait. Je crois. Bizarre, c'est pas une dague. Ah non, peut-être à l'entrée plutôt. Ouais. Bref. Ça me fait bizarre de me dire qu'hier soir on en était là. Et que là on a fini le jeu. Oh non, non. On y arrive à 9h30, hein. On y arrive. Bon, en fait c'est parce qu'on fait plusieurs coups. Après, pour le 100%, il disait 14h. Mais comme c'est pas exactement le même jeu qu'à l'époque. La machine qui permet de se déplacer là me fait penser au casque dans Starship Trooper. Très précis.
ces bonus, c'est pour m'empêcher d'aller sur Elden Ring et de faire une bêtise. On va pas lancer Elden Ring à 6h du mat, semblerait. Oh. Admettons. Cette fois, une énigme avec des boules de différentes matières qui roulent dans un circuit. Ou à la fin, on monte dans la boule de verre pour faire le circuit, c'était trop stylé. Après ça, tu vois, je connais pas du coup. À la base, là, je suis venue pour ça. Hop. Attendez. Ah, c'est ça la dague. Je pense que c'est ça la grosse dague. Alors, le code. Qui était donc. Reprenons notre. Notre écran. Hop. 10. Je vais reprendre aussi ma série ici, donc ça c'est bon. 2. Ok. 6. Deux, six, cinq. 5, donc on est bon. 1. 8. Attends, c'était bon? Non, c'est pas. 6. 8. Putain, ça marche. Attends, je ferme mon écran du coup. Hop, tac, carré, hop, voilà, merveilleux. Pas sûr que ce soit ça l'objectif, mais allons-y. Mais encore. Oh. Ah. Attends. Non, t'es allé trop loin là. T'es allé trop loin, Denis. Ça rentre pas. Ah. Je pensais que c'était censé rentrer, moi. So what? Oh.
si Where's Catherine? Voilà. Alors j'ai pas ce livre par contre. I don't understand. You've captured Gen, but... Ah si c'est bon. Why did you signal me? There's no time left. The age is collapsing. I have to find Catherine. Your way is clear. You're free to go home. Farewell. Là, c'était appelé à trousse photo. Ok. Voilà une autre fin. Oh, le soupir. Gen is at last defeated. But at what cost? The age of Riven is gone. And Catherine. There are no words. Attends, on peut pas passer? Au secours. Comment qu'on peut passer? Oh. Ok. Oh, on va faire un truc, hein. J'ai des saves, hein, donc. Voilà. Ok. Que j'ai pas envie de regarder le générique à chaque fois, mais pas envie de regarder le générique à chaque fois. Picasso et Catherine, mais il y a deux trucs parce qu'on pourrait essayer d'aller la sauver avant d'aller voir Kane. Tu vois, oh, il y avait la faille dans le. Vous l'avez vu en haut à droite? Il me semble, hein. Peut-être rêver. Le logo du studio est tellement adapté en termes de lore. Insane. Donc. Alors, on va pas charger là, hein, bien sûr. On va charger là et aller sauver Catherine. Mais je sais toujours pas ouvrir à Catherine. C'est bien gentil, mais. Il y a forcément un truc ici qui me permet de savoir. Ah oui, non, ça c'est la prison. C'est bien gentil, mais faut la sauver. Hein? Ok, c'est ça. Ça faisait digne, x3. Vas-y, refais.
Ok. Je pense qu'avec ça, on peut y arriver. Ok. Donc là, faut qu'on retourne à Prison Island. J'ai noté ça. Salut connard. J'ai noté. All good. Ah, j'ai peur que la radio soit trop longue du coup, c'est ça qui est chiant. En même temps, c'est pour les faire en bonus quoi. Là, on va prendre le truc qui permet de se TP. J'ai l'impression que le système de TP de ça est plus clair que dans le jeu d'origine. Peut-être moi, j'ai vraiment ce sentiment. En vrai, je sais pas combien il y a de fins parce que là, il y en a encore une autre. Un milliard de fois en fait. Bah c'était le même système avec les... Enfin les symboles étaient les mêmes. De là à dire que c'était pareil. C'est pas celui-là. Il est là, celui que je veux. C'est bien, au moins on a pu les déconvenus de tout à l'heure. J'avoue que ça donne envie de retourner voir ce que ça donnait en 97. Je l'avais fait pour le début, mais j'ai pas envie de voir le reste en fait. De revoir le reste. Ce qui me semble que c'était pas aussi clair. Là, le jeu a été logique, hein. C'est cool. Mais hier, j'ai dû lire un avion, mais j'ai plus envie de le faire. C'est bon. Alors, ok.
Du coup, ça, on peut le faire avant. Même si on n'est pas censé le connaître. Et du coup, arriver ici, la libérer avant. Vous voyez le délire ou pas? Voilà. Elle a glitch. We have to move quickly. Gen's people may already know what's happening. Once we're back with the moiety, we'll have time to regroup. Can I see the book? You did it. You captured Gen. We're all free. But there's still his followers. I'm not sure what they'll do once they realize he's gone. I have to get the villagers to safety as soon as possible. And you? You go back to where you first arrived. And reopen the fissure. I know. It's risky. But it's the only way to signal Atrus. I'll try to make it back there as soon as possible, but don't wait for me. Oh, and don't forget the combination in my journal. You'll need it. Bien, Catherine, c'est fait. Y'a rien à faire dans sa peau. Tu te sauvegardes. On attend qu'elle soit partie, quoi. Allez, pars! Attends, bon, je vais redescendre. Par contre, ouais, quand t'enchaînes toutes les fins, ça en fait des allers-retours. Hein. In-game, ça m'a pas dérangé, en vrai. Parce que bah t'es en train de réfléchir au truc et tout, donc... Ça suit le cheminement, quoi. Là, quand t'enchaînes 4 fins, 5 fins... C'est une autre histoire. Je vais refaire le TP 10 fois d'affilée. Mais c'est parce que je veux faire toutes les fins aussi. Donc j'essaie de la libérer avant d'enfermer Gen aussi. Faut absolument que j'essaye. Y'a pas une échelle trop derrière toi? Oui, y'a une échelle trop derrière toi. Mais je pense qu'elle sert à rien, ouais. Je pense. Comme à chaque fois, en fait, faut réarrêter le truc, c'est ça qui est chaud. Passer en fait les échelles, mais peut-être on peut passer aussi les... Attends, je vois. Je sais que les échelles, je l'ai vu. Comment ? Déplacement rapide sur les échelles, masquer les transitions avec un véhicule. Voilà. Mais bon, c'est moins réaliste, quoi. Mais ouais. Ça là, quand ils t'ont chopé au niveau de la cheville ou des mains, le moustique, ça pardonne pas. Horrible. En général, ils piquent plein de fois, effectivement, quand c'est dans ces endroits-là. Je pense en partie parce qu'ils galèrent, en fait. Du coup, il y a des moyens pour passer certains trucs. Mais là, c'est juste là, je fais le constat. Mais comme j'ai dit, dans le jeu, ça m'a pas dérangé, en fait. Du coup, ça va. Bah du coup, on retourne à la zone de départ, je pense. Hein. Et là... la bonne.
voilà bonne. T'as déjà réussi à retomber sur le même. Quel talent. On va remixer les cartes. On remixera rien du tout ce que je viens de faire. Je sais faire une rotation. C'est quel monde ça? Ouais, ça m'intéresse pas. Ça aurait été le monde avec la... de baleine, j'aurais pris. Du coup là non. Mais non mais je suis encore retombée sur le même. Je fais aucun effort. Allez. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Bon, on va faire le code. Bah non, ouais, je joue depuis hier soir à Riven. Bah là, j'ai déjà fini, j'ai déjà fait plusieurs fins. On est vraiment sur le finish. Il me reste encore un truc à tester après ça, et puis éventuellement quelques petits succès à faire. En bonus. Ah ouais, mais je vais arriver là. Ah, trop chiant. Ça passe, mais c'est chiant quand même. J'abuse. Le trop chiant est peut-être un peu excessif. J'avoue. Il y a deux rotations à faire. Une, même pas. Non, deux. Trois. Tournicotita. Tout à fait. Au moins, on va être le lendemain de la sortie du jeu. Il y aura le let's play complet sur ma chaîne. Boum. Comme ça. En fait, j'aime bien faire ça pour ce genre de jeu parce que ça sert aussi de tuto. Je fais pas de vidéo tuto, réellement. Mais. Parce que ça intéresse pas assez de monde. Rien que pour ça, déjà. Mais comme ça, ça peut servir. J'aimerais que ça intéresse beaucoup de monde. Mais... les jeux de réflexion n'ont pas la cote. Parfois. Parfois, il y en a un qui hype le plus grand monde. Mais c'est rare. Alors, on est reparti pour notre code. C'était quoi? Oh, je crois que je m'en rappelle. Attendez. J'ai même pas besoin de le sortir. Je crois que c'était... J'ai le table, mais je l'ai pas sorti là. 10, 6, 6, 5, 5, 1, 8, 6, et je sais plus. On va voir si c'était ça. Attention. Où est-ce qu'il est? Là. 10. Ah, il y avait un 2. 10, 2, 6, 6, 5, 5, 1, 8, 6. Oh, j'y étais presque, hein! Et il y a un 8 à la fin. Il manquait deux chiffres. Ça va, hein? Pareil, les symboles, normalement, je me rappelle. J'essaie de le faire sans regarder. 6, c'est celui-là. Ah oui. 5, c'est ça. 5. 1, bah, c'est facile. 8, c'est la flèche, je crois. 6, la fenêtre. Et 8, pour la flèche. Et... c'est un peu un style de jeu niché, oui. C'est pas grave, hein. On le sait. On le sait, on le sait. Malheureusement. Après, comme dit, des fois, il y a des... il y en a certains qui sortent du lot et qui intéressent les gens.
Exemple, The Witness. Et mon préféré du genre, en plus. Exemple, Portal. T'en as qui arrive à attirer quand même un grand public. Tout en étant exactement comme les autres, hein, mais... C'est d'excellent titre, hein, ceci étant. Mais... Le gars qui a fait The Witness, il était fâché un petit peu avec le milieu, entre guillemets, de ce que j'avais vu sur ses interviews, ça. En mode, je veux plus en entendre parler. Mais, je crois qu'aux dernières nouvelles, il était plus encore... il revenait en mode, allez. There isn't much de time. Plus. Where's Catherine? Where's the book? I don't understand. Atris! C'est clair que s'ils pouvaient refaire un jeu. Qui me fait penser qu'il y a un jeu comme The Witness que j'avais testé en démo qui n'est jamais sorti, qui était excellent, qui s'appelle Naru. The villagers are safely in the rebel age. I thank you. As do I. Oh, j'ai sauvé tout le monde. You've accomplished more than I could have hoped for. You've given me back my life. The path home is now clear for all of us. Voilà, voilà. T'aurais peut-être pas resté à côté de ça, hein. This is where our paths must part. Perhaps we'll meet again someday. Donc ça c'est la meilleure fin, je pense. On a capturé Gain et on a sauvé Catherine. Mais te mets pas au bord comme ça, enfin. Goodbye, my friend. Il a une confiance. Et en plus, ah, oh, c'est malin. Il fait comme avec le livre de Myst. Il le perd dans la faille. Par contre, nous, on s'est fait niquer dans l'histoire. Un petit peu là. Excusez-moi. C'est pas très juste. We meet again. Not really. Now not I understand. Endings and beginnings are within the fissure. That. Riven cleft of stars that acts as both a wall and a bridge. And though I'm unable to understand how, the very flow of stars that brought my mist book into worthy hands, I am sure served as a safe passage home for my friend. The age of Riven has come to a close, but the people of Riven are free. And now I am at rest, understanding that in books, and ages, and life, the ending can never truly be written. Non, rien. C'est un jeu qui fait peur, Squee. Qu'est-ce que tu dis là? Un jeu Alt F4 hein, pour gagner du temps. Déjà, est-ce qu'il nous reste des fins? Ça a l'air bien parti pour que non. J'ai envie de libérer Catherine avant d'avoir enfermé Gain. Faut qu'elle me dise, mais enfin! Mais vous êtes bête ou quoi? J'ai même envie, frame 1, alors pas frame 1, mais plus avant dans le jeu,
d'ouvrir la faille sans avoir rien fait. Et ensuite les succès. Bon bref, la redoute de 4 heures. Après, ce que je peux faire, c'est redécouper pour qu'il y ait un épisode qui soit que les fins. Ça, on va un peu moins stresser. Je pense que c'est bien. Comme ça, je prends le temps là, de faire mes succès et tout ça. Je pense que c'est bien. Je vais faire ça. Là, cet épisode dure 3h30, c'est trop. Il va en durer 4. Je vais redécouper après coup. Bon, un peu plus de travail, mais c'est pas grave. Donc, c'était quoi que j'ai dit que j'allais faire? Ah oui, je vais voir Catherine avant d'avoir enfermé lui. Bah genre directement là, je peux. Finalement. Dans les faits. On est sur l'île de la prison. Je connais la musique. Peut-être on peut pas, hein. Peut-être c'est fait exprès pour que la musique soit différente et que du coup on ne puisse pas. Mais à mon avis, c'est généré par partie. Donc, en théorie, je suis censée pouvoir le faire. On notera qu'il y a un truc qu'on n'a pas résolu. Pourquoi? Ah si! Non, j'allais dire pourquoi le rondin s'ouvrait, mais si, si. C'est bon. J'ai. Finalement, j'ai. Si tu fais direct le code sur la fin, un truc vient et va sauver Catherine seule. On va voir. Écoute. Quoi? On peut pas sans l'avoir écouté. Ok. Donc déjà, on peut pas faire ça en fait. Par contre, on peut aller faire le code. Ça, oui. Mais j'imagine qu'il faut connaître le code. Donc, faut quand même en être genre là. Là, j'ai pas encore été voir Gail, normalement, si je dis pas de bêtises. Allez, laissez-moi sortir. Merci. Ça, je me demande ce qui se passe si je retourne. Ou j'essaie aussi. C'est ça ou ça? J'ai un doute. Ah, c'était lui. Oups. C'était lui. Si je retourne... J'ai oublié le nom de la zone Fey, un truc comme ça. Un truc dans ce coup-là. Ah, c'était bien, hein. 10 heures de kiff. Vraiment. Quel plaisir. Mais quoi, c'est pas ça le code? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est celui-ci? Attends, regarde. Tu reviens au moment où je rouvre le livre. Mais rien à voir. Je repasse. On a fait plusieurs fois du coup là. On est vraiment en train de racler le fond du jeu. Pour faire les différentes fins. Ah si, celui tout à gauche. Pourquoi ça marche plus? J'ai plus le droit. Ça fonctionne plus. Bah. Comment ça se fait? Bah ouais, j'ai plus le droit. La porte est cassée. C'est ça. Non, c'est bizarre. Bizarre quand même.
Ouais, je pensais qu'on a juste re-tépé dans la même salle, ceci étant. Mais... Du coup, on va aller faire le code direct. Là, j'ai toujours dans la sacoche l'autre livre, ouais. Parfait. Nickel. Vamos. Il manque encore une fois. Hein. Je sais même pas combien de fois on a fait. Voilà. Ah bah on a la fin où on est censé dire oui direct à l'autre aussi. On l'a pas fait ça. Faut aussi qu'on fasse ça. Pas un duo. Alors attendez, je vais faire une save ici parce que c'est à partir d'ici. Hop. Ah, je peux plus faire de save. Au secours. Bah alors. Hop. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Du coup, 10, 2, 6, 6, 5, 5, 1, 3, 8, non, c'est 8, 1, 6, 8, 8, 1, 8 et là non. 8 est là et là est là. Ok. Oui, c'est des chiffres pour moi. Après avoir joué au jeu, c'est des chiffres pour moi. Effectivement, ça me paraît bizarre. Je conçois. Thank you.
que le jeu de l'équipe est tranquille. C'est l'heure, c'est l'heure. Bah il vient pas ? Ah. Elle va être déçue. There isn't much time. Where's Catherine? Nulle part. J'ai rien foutu. C'est la fin où j'ai rien fait. I don't understand. Oh mais... You never did. C'est la pire fin celle-là. On vient de faire la meilleure et maintenant la pire. I am no longer your father because you are no longer my son. Dur. Lui, c'est le grand méchant. C'est son père. Thought you were doing, but thank you. I finally am free. Ça me fait penser à quand dans Myst, premier du nom, t'arrives, mais sans les livres. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais enfin! Et toi, t'es en mode, bah quoi? Il est parti où? Dans un autre monde. Les livres permettent d'aller dans d'autres mondes. Par contre, on n'a pas eu de succès là pour cette fin-là? Ou j'ai pas fait gaffe? Alt-F4 encore? Tac. Attends, je vérifie. Attends, je relance le jeu déjà. Hop. J'ai pas eu de succès spécifique. Pas de succès pour la pire fin, c'est ça. Bon, on va faire le truc immédiatement acquiescé à la commande de Gain. Ça devrait le faire. Vas-y. En même temps, la pire fin, c'est une rien fou. Mais c'est trop drôle en vrai, t'imagines. Il y a quand même 6 heures de jeu derrière, tu vois. Et à la fin, tu rates tout. J'aime l'idée. Vraiment. J'aime bien quand les jeux intègrent cette possibilité. Que t'es vraiment tout fait foirer. Ou que tu dises non à un truc. Ou... J'aime assez l'idée. Ah, c'est celle-ci. Oui, comme dans Far Cry, c'est vrai que ça. Tout à fait. Elle est bien cette save en fait. Elle est mieux. J'aurais dû faire cette save bien avant. Plutôt qu'à chaque fois me retaper le trajet. Mais en plus, en vrai, je vais pouvoir le faire facilement, le rendu en cutant cet épisode. Je viens de réfléchir à une strat. Tout va bien. Je dois acheter du sprite et une tête à rouge. C'est très particulier. C'est si sucré, le sprite. En vrai. En termes de goût, je parle, un ressenti. Je trouve que ça sent fort le sucre.
Ah, parce que ça doit exister sans sucre, mais... Well done. I was greatly relieved when I received word that you had recovered the book. I don't quite know how you managed it, but... If I may... Thank you. Ouais, moi je préfère le Coca ou le Pepsi. Au Sprite. Après des fois, petite Orangina là. Non, Fanta, pas Orangina. Petit Fanta. Mais bon. Une bonne eau gazeuse. C'est encore ce que je préfère. Bien fraîche. Vive la Soda Stream. Allez, vas-y. J'accepte. Pas par erreur. Ouais, il faut. La City, c'est bien aussi, ouais. Mais ça se garde pas, par contre. Tu me diras le reste, pas des masses non plus, mais... Perhaps it would be best if you went through. Comment j'ai pas laissé finir sa phrase? Je voulais pas que ça rate. C'est un peu drôle. Voilà. Alors, la question, c'est comment se piéger soi-même? Il existe un truc, se piéger soi-même? Là, je vois pas. À moins que j'ai encore le livre sur moi. Ah! Ah bah voilà, parfait. Nickel. Ça aussi, c'est une des pires fins, en vrai. Du coup. I don't know exactly why you released it, but you realize, of course, that this must be the end for you. It may provide you with some solace, however, to know that with this act of self-sacrifice, you have secured your place in history. The Dani culture will be reborn, and the lives of millions will be purified. Thanks to you. Avec plaisir. Farewell. Après, j'ai fait ça pour le succès, hein. C'est quoi, c'est piéger soi-même? Bah, c'est une des fins. Et du coup, ça le libère. Ouais, on l'avait bloqué dans le livre, c'est ça l'idée. En fait, c'est un échange de place. C'est un livre piégé. Tu vois. Alors, on va refermer. Tac. Tac. Déjà, je vais compter combien j'ai fait de succès. De fins. Alors, combien de fins on a fait? Combien de fins il y avait déjà? Par contre, l'écran, s'il pouvait capturer, merci. Donc, il y avait petit 1, ok. 1, 2, 3. Je sais pas combien de fins on a fait. Non, mais parce que pour le titre, c'est important. On a donné... On a fait la très bonne fin. On a fait deux mauvaises fins. On a fait la fin où on n'a pas libéré Catherine. Et on a fait la fin... Il y a une autre fin où on s'est fait emprisonner, non ? Je sais pas si on a fait 4 ou 5. La fin où tu finis mort dans la cage. J'ai pas fait ça, si? Mort dans la cage? La première.
Ah bon? C'est quand j'ai fait juste ça là, que j'ai juste pris le bouquin direct. Depuis ici. Donc on a fait 5 fins? J'espère. Je vais dire 5, les gens vont me dire qu'il n'y en a que 4. Pourquoi tu mens? Alors ensuite. Donc on doit. Waouh, ça je sais pas, ok. Ah, on doit voir où est l'homme qui a été tué au début, ok. Ça doit pas être loin de l'entrée. Investiguer la brèche qu'il y a au niveau de la jungle. Wow. Rentrer dans la vie privée d'un villageois. Énerver la baleine, ça on sait faire. Trouver toutes les images de Gen. Il doit m'en manquer une. Se rappeler d'un code Moiti. Je pense ça. C'est genre t'arrives et direct tu mets le bon enchaînement de symboles. Et regarder pendant 15 minutes la Marble. Est-ce qu'il y a déjà des guides, des succès ou pas? Non. Non, non, non. Ok. Ok, ici il doit y avoir quelque chose. J'ai trois succès au moins que je peux faire facilement là, je pense. Parce qu'à mon avis, le cadavre du gars, il a été tiré par là. Comment il est censé être dans le coin, quoi? Il doit pas être bien loin. C'est un cadavre d'après le succès. Tu vas pas me dire qu'il a traîné tout le long des escaliers quand même. Oh, s'il a fait ça. Et que cette zèle. Je sais pas où il est. Alors peut-être il y est qu'au début. Tu as un lien avec les explications pour tout ça, c'est vrai. Mais de 97 ou de celui-ci? En anglais, mais tout. Ah, c'est pas grave, c'est en anglais. Ça me dérange pas. Vas-y, je te permets. Tac. Permite. Comme ça, tu peux le mettre. Hop. Tac. Ok. Voici. On est obligé de le. Ça peut être manqué en fait. Faut le faire avant. Ok. Donc faut le faire en début de game, ça. Alright. Ta ta ta. Donc ça, c'est ok. Ensuite, investiguer la faille. Je vais essayer. Pour l'instant, j'essaie ce que j'avais en tête. Hein. Je vais pas non plus aller regarder. Comme ça, on a permis de voir que c'était. Parce que je l'avais pas regardé au début. Comme ça, on perd pas de temps. Ouais, c'est ça. Là, je suis à 27 succès sur 34. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Ici. Le truc investigate la brèche. Je pensais ici. Je pensais le truc qui est là. Ah, mais qui a changé d'ailleurs. Ah, mais oui. Ça, à la base, c'est une brèche.
Et là, plus du tout. Au début du jeu, c'est une brèche. Ah, je vais pas pouvoir le faire, du coup. Ok. Et on va aller énerver la baleine. Si tu me dis que je peux pas énerver la baleine, ça suffit, hein. Énerver la baleine... Ah bah on peut le faire de là, c'est bien. Je sais de tout. C'est nice. On va aller énerver la baleine. Ça s'est bien passé, hein. On a tout réussi. Oh, le good. Ça, je maintiens que c'est beaucoup trop effrayant, mais bon. Après, hein. Je sais pas pourquoi ils ont eu besoin de faire un mur en mode jeu d'horreur. Ça, c'était quand même mon coup de génie, hein, de comprendre ce truc-là. Je suis très fière. Ok, vas-y. On va lui refaire. Elle me fait peur. Elle me fait peur! Cette baleine. Regardez-la comme elle est affreuse. Le rappuyer. Attends, on va le finir. Tu sais ce qu'il y a ? Ça fait plaisir que t'aies suivi tout ça. Oh bah elle est partie vite. Va revenir avec ses potes. C'est toujours les miens. J'ai peur. J'enlève mon écouteur. J'ai trop peur. Faut savoir, Lucilium, que je suis une flippette. Ce qui fait que Seraph me demande souvent de jouer à Outlast Trials. Elle va pas énerver plus que ça, la baleine. Peut-être faut que je le refasse quand elle est là. J'ai dormi entre temps. Bon, je me doute quand même. On est raisonnable. C'est là au début à la fin. J'ai pas dit que t'avais suivi les 10 heures. Bon, la baleine. Elle s'en va de plus en plus. Bon, ça y est.
Je crois que ça y est. Elle me fixe. Oui, let's go. Ah. Allez, ciao. Là, si je refais, ça fait quoi? Juste comme ça. Hein. C'est parti. Elle veut plus jouer. Ok. Ah là, on a peut-être encore... La faille. Attends, c'est île d'observation là ? C'était pas île de la jungle que j'ai chargée ? Ah oui, c'est île de la jungle, mais loin. D'accord. Pas sûr qu'il y ait encore la faille. On va le tenter. Mais ça, ils sont loin en fait. J'ai jamais joué d'horreur. Du coup, ouais, moi j'ai joué au jeu d'horreur que dans le cadre de trucs caritatifs ou quoi. Et attends, faut que je te follow, hop. Et c'est toujours une aventure, mais ça m'a permis par exemple de jouer réellement à Resident Evil, que j'avais jamais pris le temps de tester, bien sûr, parce que ça fait trop peur. Qui est un excellent jeu, en vrai, par exemple. Par exemple, bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme succès? Du coup, la brèche. Il y en a tellement des manquables, en fait, je me rends compte. Ça chaud. Celui qui s'appelle... Oh, chaud, donc on va le faire. Total collapse is imminent. When you arrive with a clear katana, you need to approach the floating black mass. Ok. On peut le refaire, mais il faut qu'on redémarre, quoi. Le signe de 5... Je le trouve pas. Sign of 5. You must knock and listen to the resident door 5 times. En fait, il y a 1 milliard de trucs qui sont manquables. C'est chaud qu'ils soient manquables. Ah ok, il y a un truc que je pensais pas pouvoir le faire. Ouais mais bon, le truc c'est que tu te spoiles si tu fais ça quoi. Là moi c'est à la fin, mais j'aurais pas la motive de refaire quoi. Ouais voilà c'est ça, c'est l'un ou l'autre, faut choisir. Faut choisir. Du coup je vais juste revérifier. Les codes, je les ai là. On va utiliser nos propres trucs. Donc, il semblerait que j'ai manqué. Je pensais pas, mais... J'ai manqué un truc là-dedans. Après, là, il y en a deux autres que je peux refaire facilement. Mais il y en a, par contre, c'est dans des chapitres avancés. Comme je sais pas, il n'y a pas écrit les chapitres. Il parle de chapitres. Il y a des chapitres? Il n'y a pas de chapitres, moi, sur mes trucs. Il semblerait qu'il y a des chapitres. Ah, c'est là, j'avais pas vu, effectivement. Oh là, pardon. Attends, mais on voit rien. Excuse-moi, mais...
Du coup, 1 c'était Keta, ok. Ensuite c'est 2 et 3. Vas-y. Ou alors faut que tu lises chapitre après chapitre. Ouais, mais comme tu sais pas quand il y a un chapitre. Ah, c'est pas ça, c'est pas 2 et 3. Oh là, j'ai tout cassé. Mais enfin! Ça me fait trop bizarre que ce soit. 2, 3, 5. Bah. Pour moi, c'est ça. Alors attendez, on va vérifier du coup ce qui se dit dans le. Alors, est-ce que c'est encore un truc qu'il fallait que je fasse avant? Deux, trois, 2, 3, 5. Ah, peut-être qu'il faut qu'il soit fermé le truc. Ah, voilà. J'avais bon. Now, my turn. You want to record something so always you will remember. What is English for scrampe? Scum from above. Your appearance should have inspired us to a better future. What does it mean for us as a people if we cannot embrace worlds outside our own? You were an angel from above. Always you will be my angel from above. Ok. On dirait qu'il n'était pas monogame. Council knew it. They knew. If I hadn't tried to force my own ideals on your world, you would still be alive. You would still be alive. Full of books, the bridged worlds that lit up the darkness like stars. The possibilities were endless. You'll never have the life you should have had. Somehow my love
passionate. It took that. I don't know how. I'm sorry. I'm so sorry. Again. Non, le succès. Ah, peut-être parce que j'ai pas lu le premier. Ah non, c'est qu'elle renifle encore. Ok. Ça m'a fait très peur, hein. Ça, c'est comme si elle était derrière moi. faut qu'on essaie de toquer à la porte de la personne. Ça me paraît compliqué, hein. Île d'observation, ça fait chier d'être à île d'observation et en même temps, c'est peut-être notre meilleure chance. Ah, c'est quoi cette histoire de porte? Alors attendez, c'était là. Ah oui, mais ça, ça fait trop loin. Je suis trop loin, là. Ça va où, ça? Attendez. Hop. Je pense que je suis trop loin. Ah. Oui. Un détail. Oh, le truc avec le code, c'est qu'il faut en fait entrer la combinaison du original, de l'usine originale. Ah, oh, c'est drôle. Très drôle. Où? Ça, c'est drôle. C'est jouable, hein. Vas-y, on va aller voir si on peut ouvrir la porte avant. C'est marrant. Petite chasse au succès, là. Faut le connaître, hein. C'est poisson. Carabée. Grenouille. Sonneur, je sais pas c'est quoi. Et la baleine méchante. C'est quoi ce sonneur? Ouf. Ah. Ça va être compliqué. Je sais pas c'est quoi. Peut-être avec les screenshots. C'est quoi ce nom? Regarde. Il me faut la solution de l'époque. Even. Animal. Code. Voilà. Parfait. Ah, ça, c'est fish. Le symbole de Riven, c'est fish. Pardon. Lol, le logo de Riven, pour eux, c'est poisson. Chimdea. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, là, on est en train de finir les succès. J'ai fini le jeu, déjà. Je ne suis pas en train de regarder les solutions pour réussir le jeu. C'est vraiment pour les succès, c'est des trucs... Genre là, faut connaître le code du premier jeu pour avoir le succès. Ah mince, je suis en train de chercher ça alors qu'il est déjà là.
Intéressant, du coup ça m'a fait découvrir que le logo de Riven, pour eux, à 90 degrés, c'est un poisson. Original. C'est ce speedrun le jeu du coup là. Si t'as accès à la porte dès le début, je suis pas sûre. Donc la porte fonctionne. Hein. Donc là c'était pour taper à la porte de quelqu'un qu'on est venu. Je regarde où est-ce que c'est. Exactement. Ok, donc la porte, elle est. Elle est dans l'autre monde, probablement. Salut ta main! Déjà là, on n'a pas ça. C'est mort. Ben c'est cool, on a fini. J'ai fini le jeu, j'ai fait toutes les fins. Là, je suis en train de faire les derniers petits succès qui traînent. Là, pour le coup, je suis allée voir sur un guide les 3-4 succès qui me manquent. Mais c'était super. C'était vraiment top. Ça s'est bien passé. Tout était plutôt logique. Donc parfait. Mais c'était moins dur que dans mon souvenir. Comme souvent. Comme souvent. Pourquoi je vais là du coup? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il me faut? C'est l'autre zone. Qui est complètement de l'autre côté. Je me suis trompée. Ok. Il faut qu'on voit si on peut ouvrir la prison directe. Enfin, pas la prison, mais oui, si. Le raccourci vers la prison. Ouais. Doute. Je vais servir mes vacances. Après, c'est en train de s'effondrer normalement, donc c'est pas ouf, mais. Mais bon. Ok, je vais voir si ça marche. Du coup, c'était le. Lui, hein. Cool. Oh, ça marche direct. Alors ça c'est top. Ça fait gagner beaucoup de temps. Du coup le jeu se speedrun. Si on peut faire ça, le jeu se speedrun. Mais de ouf en vrai. Alors là on va faire la fameuse séquence. Qui est la séquence du Riven original. Et donc regardez. Ça pour eux c'est un poisson, ça me fait rire. Mais c'est vrai que c'est un poisson, mais pour moi c'est le logo de Riven. Drôle non? Ah, attendez, parce que là je l'ai en petit. Tac, voilà. Donc ça fait poisson. Où est-ce qu'il est le scarabée? Là. Le tacos. Le fameux. La grenouille. Le pélican. Je cherche le pélican, là. Et le truc avec une queue, là. Non. Où est-ce qu'il est? Ah. Voilà. Ça, c'est good. Maintenant. Maintenant, faut que je mette ma séquence à moi. Comment je... À l'aide. Ah, il suffit que je rate, je pense. Voilà. Hop. Ensuite... Ma séquence à moi, c'était le pélican. L'oiseau baleine, c'était la grenouille au final. Le tacos.
Je vous donne faim toute seule. Hein. Le Shaddock. Il a disparu. Il n'existe plus. Riven. Et le caméléon avec une queue. Voilà. Ok. Et là, on est censé taper à la porte de quelqu'un. Oh, par contre, on va se taper les cinématiques et tout. Quel enfer. Mais bon. On peut pas les passer en plus. Est-ce que tu veux de bêtises? Ah non. La musique est trop belle. Hop. Je crois que c'est là qu'il faut taper à la porte de quelqu'un. Pas sûr à 3000%. Dans quel cas, ensuite, il y a deux succès qu'on peut faire en relançant tout le jeu. Aisément. Ok. En fait, là, ça prend du temps à ce qu'il se déclenche. Tu peux, t'as le temps de faire ça, 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 ensuite tu reviennes. Venez. Hop. On repart là. Allez. Ok. On va attendre, hein. Il me semble. Peut-être faut que je retourne le dos quand même. Pour pas les voir apparaître. Voilà. Ah, c'est de là qu'ils viennent, ok. Là, on peut pas passer. Non, on peut pas passer. Ah! Non, pas. Bon, bah, désolé, on est obligé de se taper le cinématique. C'est pas un drame, hein. Ceci étant. J'ai en profité pour regarder les succès. Pendant que ça fait ça. Oula. Par contre, en fait, quand je vais à le tab, vous allez mourir. Pas grave. Ok. Alors, succès, il manque plus 4. Oui, c'est vrai, on dirait, de faux. Donc, celui du corps, celui de la faille, le truc que je vais faire là, et le dernier, c'est... Ah bah, c'est la marble à regarder pendant 15 minutes. Donc en vrai, j'ai le 100% des succès normalement si je me débrouille bien. Let's go. Parce qu'il me reste deux trucs à faire que je peux faire en relançant le jeu. Et ensuite, le truc de 15 minutes, je le ferai en off. Je ne vais pas vous laisser 15 minutes devant une pierre. Quand même. Je pourrais, mais... Catherine, oh, bon, on discute. Yapai manae yelepo. Becaretere wirape yelo kene falapo. Tisai. Why te falupe? Now, Catherine, ne. Wisi fa polo ya sepe yai. En mode jifu. On peut le faire, on peut le faire. C'est vraiment si tient. Après, normalement, c'est 15 minutes en un playthrough. Normalement, j'ai déjà regardé un petit peu la pierre. Donc... Hop, laissez-moi sortir maintenant. Un petit peu de lecture ? Pas du tout. Allez.
Ils ont pas envie. Non, mais moi ça me va. Hein. C'est vraiment. Ce qu'il y a, c'est que. Ah voilà. C'est ces portes-là. Il y en a une où on est censé taper 5 fois. Et je sais à quoi elle ressemble. Parfait. Ah bon? Attends, je sais à quoi elle ressemble, mais je la vois pas. Donc c'est pas là. C'est pas elle. Et là, je peux pas aller plus loin. En tout cas, c'est ici, c'est sûr. Puisque c'est les bonnes portes. J'ai peut-être raté une. Ah, il y en a d'autres là. Ok. Belle. Vraiment, vous vous rendez compte, il y a un succès de taper 5 fois à une de ces portes là. Qui fait ça? C'est pas elle. Une avec une étoile dessus. Attends. Jamais. Je crois que j'ai bien fait, je vois pas de porte là. What the fuck? Elle est où cette porte? Oh, j'ai bien fait. Je vois pas là. En plus c'est bien la première fois que je viens, on peut pas s'être foiré. Là-dessus, y a pas quoi. Je vais regarder ce qui se dit. Il est censé y avoir un espèce de médaillon sur la porte. C'est chelou. C'est bizarre, il y est pas. Pourtant, c'est bien ici, c'est sûr. C'est les mêmes portes. Censé avoir une porte et un symbole dessus. Avant que je puisse revenir. Mais j'y crois peu. Et comme c'est la première fois que j'arrive là. Je vois pas comment que ces portes soient dispo dans le village de la jungle, mais il n'y a pas ces portes-là. Tester ça de toute façon. Il va nous manquer de succès. Parce que je vois pas. Hein.
que je vais pouvoir traverser de toute façon. En théorie. Ceci étant, si je peux plus traverser, je suis coincée en fait si je fais ça. C'est ouf, tu peux te lock dans la... Dans le truc où t'es obligé de faire la mauvaise fin. Ah non, c'est bon, ils l'ont mis là. Oh, j'ai cru. Ça aurait été chaud. Du coup, je capte pas. Dommage. Faisons les deux autres trucs. Quand c'est que j'ai pas cette porte ? La seule solution, c'est qu'elle soit dans la jungle, quoi. I need your help. There's a great deal of history that you should know. But I'm afraid there's no time to explain. Most of what you'll need to know is in here. And for reasons you will discover, I can't send you to Riven with a way out. But je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'elle est... Elle est pas dans la zone de Fey, en fait. It appears to be a linking book back here to Dunny, but it's actually a one-person prison. Comme ça, vous allez l'intro pour ce qui est... Way to capture Gen. Non, je ne puisse pas skip. Quand même. Here. Once you freed Catherine, I'll come with a linking book. She'll know how to signal me. Du coup, on aura joué 11 heures pour le 100%. Quand même, hein. Finalement. 11h15, il faut le garder. Le fameux. Le fameux. Until we meet again. Take care, my friend. Je vais même devoir faire le process pour aller à l'île de la jungle, c'est un peu chiant, mais... Non, ça se fait très vite. タゲマ。レコワ。タゲマ。そう、レコワ。ミシラ。ミシラ。無敵は僕はない。ミシラ。無敵は僕はない。僕はない。ミシラ。僕はない。僕はない。僕はない。 Il est presque.
Parfait, allez. On y est. Je vois pas le cadavre. Il est censé être où? Est-ce que c'est dans le... Pourquoi je le vois pas? OMG. Il s'en sert ressemble à quoi? What? Ah, c'est sur le côté, je pense. Là. J'ai. Oui, là. Il est là. Merveilleux. Ça, c'est good. Ensuite, on va très vite retourner à Jungle Island. On va être efficace. Pas le bon sens, il faut faire encore deux fois. Non! Allez. Un. J'espère que le 100%. Hein. Et deux. Dans le jeu original, il y a un truc ici, je crois. Tac, j'ai pas besoin d'activer le truc de fumée. Eh bien, enchanté, Zach. Mais à qui? Parfait. Hop. C'est où qu'on va aller là? Ah oui, truc à l'élan, machin truc. Ok, ouais. J'ai un doute d'un coup. Mais du coup, ça veut dire que dans le jeu original, en 2 secondes, t'as Jungle Island. Si t'as pas fait la rotation de pièce, vu que la pièce elle est pas dans cette zone là. Elle est dans quoi? Je crois. Ok. Let's go. On y est presque. On y est presque, on y est presque. Hop hop hop. Hop hop. Ici même. Ça y est, on peut aller à Jungle Island. Parfait.
Ah, il est là. Deux succès après celui-là. En fait, quand j'y pense, il y a la fin directe en prison. Il y a les deux fins avec Catherine libérée, pas libérée. Il y a la fin où je le libère, mais je le relibère. Il y a la fin où il me dit d'y aller direct. Ouais, non, il y a cinq fins. Cinq fins, à une petite variante près. Et donc là, il y a la brèche. Tac. Et il reste du coup. Est-ce qu'on a un île de la jungle avancée? Ouais, là. Parfait. On retourne au village. En théorie, on trouve la bonne porte. On la cogne 5 fois. Et là. On n'a plus qu'à attendre 15 minutes devant la pierre. C'est marrant que ça se transforme en ça, là. Ah, c'est que ça a été contenu. Ils l'ont mis dans un truc de... Un truc blindé, en gros. Drôle. Très drôle. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de rediffuser une rediff de Talos Principle. Shit. Deux rediffs. Voire même 3. Oups. Enfin, je regarde ça. Ok. Donc, les portes des gens. On va être obligé de regarder toutes les portes. C'est vraiment pas dans ce village comme ça, là. Ouais, c'est... Non, elles sont trop petites, ces portes. Ah si, regardez là. Mais c'est ces portes là. Mais je peux pas taper sur ces portes là, elles sont trop petites. Il me faut la même taille taille adulte, quoi. Non. Je vais me vérifier, hein, parce que... Je vais vérifier. On va se faire toutes les portes, écoutez. On n'est pas fermé. Oh, c'est là. Oh, punaise. Oh, ils ont des toutes petites portes, mais ils sont... Waouh. C'est Gulliver, le truc. Ok.
Il ne reste donc plus officiellement qu'à attendre 15 minutes devant la pierre. Donc peut-être moins de 15 minutes puisqu'on a déjà regardé la pierre pendant quelques minutes. Qui en fait est un piège du coup. Mais il est ouais. Hop. La bonne nouvelle c'est que ça nous ramène au laboratoire. Donc tout va bien. Je regarde qu'il me reste bien que ça comme succès. OMG, je vais vraiment avoir le 100%. Trop bien. Ah, ça fait plaisir. 100%. On fait des sauvegardes du coup, hein, si jamais vous voulez le 100%. Parce que... Sinon, vous pouvez pas forcément tout faire. Alors du coup, paf. Et c'est là qu'il faut attendre 15 minutes. Ça va être sympa. Alors je vais quand même AFK et prendre ma pause pendant ce temps-là. Ça nous enlèvera quelques minutes. Je relance l'enregistrement. Allez moussaillon, c'est ça. À savoir que normalement pendant à peu près 7 minutes, c'est sûr que c'est fini. Ah non, 8. Après 11h de strip sur le jeu, ça, les 15 minutes, on les sent passer. Hein. Ah ouais, c'était vraiment trop bien. C'était très adapté, je pense, les modifications qu'ils ont pu apporter. Je les ai pas forcément toutes vues, mais... parce que je me souviens pas assez bien. Mais franchement, hormis peut-être la charnière au début, là, la fameuse... Franchement au top. Excellent. Comme le remaster de Myst qui était excellent. Bah écoute, tu peux faire celui de Myst du coup, Killian, si jamais. Comme ça, t'auras le début de l'histoire. Voilà, je te cache pas que j'ai très envie de lancer Myst 3, du coup. Que j'ai jamais fait. Donc. Enfin, je crois. Moderne et plus dur, tu as Obduction du coup, qui fait par les mêmes personnes. Par contre, je déconseille Firmament, qui n'est pas un jeu d'énigmes. Quasiment. Il y a genre 3 énigmes dans le jeu. Quoi. Grosso modo. Ouais. C'est pas genre le papa des jeux d'énigmes Myst. Un peu, hein. Des point and click, on va dire. Après, il y en avait pas mal qui sont sortis à cette époque, de toute façon. Et. Il est quand même, enfin pour beaucoup en tout cas, à l'origine d'un genre. Ce côté où t'as tout un monde à explorer avec des raccourcis, avec plein de mécanismes. C'est d'ailleurs ce que je préfère en vrai. Mes jeux d'énigmes préférés, c'est ceux-là. C'est vraiment les plus cool. Je préfère 100 fois ça à ceux où t'enchaînes des pièces là. Ce côté un peu ouvert où t'as l'impression que c'est toi qui découvre, qui explore, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et alors, je redis du coup, mais il en existe des beaucoup plus durs qui sont faits par une seule personne. Ça s'appelle REM. R-H-E-M. J'avais fait le 1 en live. Et il y a 2, 3, 4 qui existent. Un de ces 4, on fera le 2, je pense. Ça me dit quelque chose, Kylian. J'ai un doute. Après, le nom est très évocateur. Effectivement. Attends, là, je veux pas Alta, on sait jamais. Non, on a encore du temps, je pense. Vas-y. Vas-y, Operator. On Steam. Ah oui, voilà. Bah en fait, j'ai pas fait la démo, mais je l'avais mise dans ma liste. Et après, quand j'ai vu que c'était beaucoup, quand même... Tu vois, l'interface me hypait pas des masses. Mais le jeu me hypait un petit peu. Donc il est dans ma liste, quoi.
Juillet. Oh, ça y est! On a réussi! OMG! On l'a! Il est incroyable! Ah bah, du coup, il va falloir que je teste alors. OMG le 100%. Oh là là. On y est. Oh. Amazing. Regardez. Attendez. Paf. 100%. Trop bien. C'est quoi ça? Ok. Trop trop bien. Et bien voilà. J'ai vu. C'est génial dans l'opérateur. Bah franchement, du coup, je pense que je vais tester la démo de ce fait. Pas là, hein, parce que il est 7h30 du matin. Mais j'allais me reposer un petit peu. Mais c'est noté, merci pour ton conseil. Et puis bah les gens, on va s'arrêter ici. C'était un excellent let's play. En tout cas, moi j'ai adoré. C'était trop bien. Et Myst 3 dans un coin de ma tête. Après, il faut qu'on finisse Elden Ring, le DLC d'abord. Je suis pas loin en vrai d'avoir fini, je pense, le DLC. Une ou deux sessions, sans compter le fait que le boss final est... semblerait insane, donc bon, voilà. Mais niveau explo, je pense qu'en une ou deux sessions, j'ai fini le DLC. Du coup, voilà.